Bonjour à tous, amen. C'est un plaisir encore de nous retrouver nous après quelques mois dans la présence de Dieu. Hein, je compte dans la présence de Dieu, amen. Et tout de suite, vous pouvez lire la Bible dans 1 Thessaloniciens, épître de Paul, 1er épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Puis à la lecture, dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le titre de nos messages, c'est rendre grâce en toute occasion. Amen. Amen. En toutes circonstances. Et quand on regarde ce verset, peuple de Dieu, la Bible dit à nous, ce verset dit à nous, rendez grâce en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Peuple de Dieu, rendre grâce, c'est exprime en parole, nous capables d'exprimer en parole. C'est un acte de gratitude. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Amen. C'est un acte, nous capables d'y aller aussi, un acte de foi. Ben, appréciation. Pour ben bienfait qui bon Dieu qui fait dans la vie. Amen. Nous reconnaissons, nous n'a cette gratitude, nous n'a apprécié ce qui bon Dieu fait, peuple de Dieu. L'important est qu'il nous capable et d'un cœur reconnaissant. La Bible dit à nous en toutes choses, dans toutes choses, en toutes circonstances, malgré les circonstances qui bon, malgré les circonstances qui mauvais dans la vie, la Bible dit à nous rendre grâce en toutes choses. Amen. Et quand on regarde le peuple de Dieu, nos besoins et les lesquels, moi avec vous, un équerre reconnaissant envers bon Dieu. C'est très important pour tout ce qui bon Dieu fait. Amen. Et quand on regarde le peuple de Dieu, quand on est capable de dire la passe de la terre, un peuple qui a besoin d'être reconnaissant plus, c'est le peuple de Dieu. Amen. Parce que vraiment, nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin de reconnaissance qui bon Dieu fait pour nous. Parce que bon Dieu, il sauve nous. C'est une grâce qui nous trouve nous dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce qu'ils sont capables de dire amen? Amen. C'est une grâce, peuple de Dieu, et qui nous capable d'être sauvés, protégés dans ce moment de COVID-19 là. Nous saints et sauve, nous familles, bon Dieu, pourquoi il protéger et nous capable de certifier lui, à tester lui, qui bon Dieu est là à nos côtés. Amen. Comment nous sommes capables d'être reconnaissants? Nous besoin il a cette reconnaissance en toutes circonstances, dans tout un moment, même un moment difficile, même un moment de trouble, même un moment que tout m'arrête, est difficile autour de nous. Encore une fois, quand on a un trouble, un problème, une situation, peuple de Dieu, rend grâce, bon Dieu. Amen. Et quand on rend grâce, bon Dieu, ça veut montrer qu'il y a une reconnaissance envers le Seigneur, ce qu'il fait. Et il amène nous un acte de foi, nous faire bon Dieu confiance pour ce qu'il est capable de faire encore dans la vie. Amen. Rendre grâce quand c'est la volonté de Dieu à nous l'égard. Bon Dieu, sa volonté, peuple de Dieu, à nous l'égard, c'est qu'il y a un peuple reconnaissant. Amen. Il parlait qu'il nous murmurait, il parlait qu'il nous plaignait, peuple de Dieu, malgré la même difficulté, malgré la même circonstance dans la vie. Bon Dieu, il est qu'il y a un peuple toujours joyeux. Amen. Et quand on regarde le verset précédent, le verset 16 et 17 dans 1 Thessaloniciens, il dit à nous, soyez toujours joyeux. Bon Dieu, il est qu'il y a un peuple qui toujours est dans la joie. Amen. Or, le verset précédent, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et après, le verset 18, il dit à nous, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à nous les gars en Jésus-Christ. Amen. Bon Dieu, ce plan, sa volonté, c'est qu'il y a un peuple béni. Amen. Amen, peuple de Dieu. Autant de Dieu, amen. Bon Dieu se désire quand il trouve ses enfants, il bénit. Il est content quand il trouve nous bénis. Il est content quand il trouve nous fait progresser. C'est ce désir. Et bon Dieu, il est content aussi. Il prend plaisir quand il trouve nous. Quelqu'un qui est joyeux, qui toujours nous rend grâce, même dans un moment difficile. Même quand autour de nous, les choses qui paraissent impossibles, les choses qui paraissent difficiles, énormément de situations, énormément de problèmes. Mais nous besoin d'être reconnaissants, peuple de Dieu. Être reconnaissant, pas juste quand on dit bénis nous, il donne nous un bon million, de un grand lac. Nous disons maintenant, mais dans tout pixel, nous travaillons, nous bénis, nous enfants, nous passons l'examen.
Nous te remercions, Seigneur, non, peuple de Dieu. Nos besoins, il a cette gratitude au fond de nos cœurs. Même les choses lui paraissent difficiles. Même les choses, parfois, il a comme amitié un problème. Même les choses lui paraissent petites choses. Et petites choses qui vont Dieu faire. Mais qui nous besoin, il a cette reconnaissance, amen. Nos besoins développent cette reconnaissance, peuple de Dieu. Nos besoins, pas murmurer, pas murmurer, pas plaigner. Très souvent, des fois, nous plaigner, peuple de Dieu. Très souvent, des fois, nous murmurer. Oh, même mal qu'il soit, bon Dieu, Père, bon, non. Mais nos corps peuvent plaigner, nos corps peuvent faire des choses. Mais rends grâce en toutes choses. Amen. Rends grâce, car c'est la volonté de Dieu. Et quand nous faisons grâce, combien nous pouvons accomplir la volonté de Dieu dans la vie. Amen. Et peuple de Dieu, quand on regarde le peuple d'Israël, quand on regarde le peuple d'Israël dans le désert, la Bible dit à nous ce peuple, que tu es bon Dieu, tu es servi Moïse, pour amener nous autres dans la terre promise, dans le désert. Tu tiens autres sous la servitude. Aux autres, tu fais face beaucoup de problèmes. Eh ben, l'Égyptien, tu fais dominer nos autres. Mais la Bible dit à nous, bon Dieu, tu fais pourvoir chaque jour de la manne. Tu fais tirer des lots dans rose. Oh, tout le monde qui sauve, qui ont besoin. Et Moïse, c'est un pour le Seigneur, l'Éternel. Bon Dieu, tu fais peur à qui que soit pour eux. Mais cependant, peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui toujours plaigné. Amen. Les murmurés, les tiens bonniers qui nous retournent en Égypte, qui nous mordent dans ce désert. Peuple de Dieu, Dieu va te reconnaître, Dieu va te donner la reconnaissance envers Dieu. Amen. Peuple de Dieu, il est important qu'il nous donne la reconnaissance. Quand nous plaignons, peuple de Dieu, nous pas capables de faire un progrès, nous pas capables d'avancer, peuple de Dieu. Mais quand nous réjouissons, quand nous rendons grâce à mon Dieu, et la même toute chose qui arrive dans la vie. Amen. Et quand nous quittons le peuple d'Israël, tellement je t'y plaignais, tellement je t'y murmurais contre mon Dieu, jamais je t'y satisfais, ce qui mon Dieu fait. La Bible dit à nous, je murmurais, je fais une complainte. La Bible dit à nous, mais je me rentre dans la terre promise. Je vais arriver dans la terre destinée, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas capables d'atteindre la bénédiction de Dieu dans la vie. Si tout le temps nous développons une mentalité qui nous plaignait, nous ne sommes pas satisfaits de nous. Peuple de Dieu, il y a des choses qui vont Dieu faire dans la vie. Amen. Combien de choses vont Dieu faire dans la vie? C'est une grâce qui nous lâche ce matin. C'est une grâce. Et s'il y a un peuple qui a besoin d'une grâce, bon Dieu, peuple de Dieu, pour le salut de l'âme. Amen. Bon Dieu, il sauve nous. Premièrement, nous besoin de dire bon Dieu, merci, nous la reconnaissance. Est-ce qu'il bon Dieu, il sauve nous? Est-ce qu'il bon Dieu, il pardonne nous de nos péchés, peuple de Dieu? Amen. Et quand nous plaignons, nous ne pouvons pas vivre dans nos destinées, peuple de Dieu. Mais nous pouvons toujours en guerre. Nous pouvons lire la Bible dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 20. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 20. Il peut dire nous maintenant, rendez grâce en toutes choses. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Nous dire continuellement. Ici, le verset dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit à nous, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à nous l'égard. Ici, il dit à nous, rendez continuellement. Qu'est-ce que ça veut dire continuellement? Ça veut dire en tout temps, continuel, pas arrêter. Rends grâce, même malade, rends grâce, même dans mon rapport négatif, rends grâce, même dans difficulté, rends grâce, même dans circonstances autour de nous, il paraît comme on me dit, impossible. Mais rappelez-vous, quand nous rendons grâce, nous faisons bon Dieu confiance. Amen. Et il dit continuellement, rends grâce en toutes choses. Amen. Rends grâce avec joie dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 12. Il dit à nous, rends grâce avec joie au Père, qu'il rend nous capables d'avoir part à l'héritage. Amen. Il n'est pas dit à rendre grâce avec tristesse. Et je connais quand on peut développer sa mentalité pour nous donner reconnaissance. Peuple de Dieu, Dieu lui prend plaisir. Pareil comme on a nos enfants, quand nous faisons quelque chose, nous sommes contents comme parents. Je connais une gratitude, je connais une reconnaissance. Je reconnais et je dis merci. Et quand nos enfants continuent, nous montrent eux combien ils ont besoin de dire merci quand nous faisons quelque chose. Pas vrai? Mais combien nous, bon Dieu, peuple de Dieu, il attend de nous, il exige de nous, peuple de Dieu. Bon Dieu, il exige de nous cette gratitude. Amen. Bon Dieu, il exige de nous. Il est qui nous donne l'équerre de reconnaissance. C'est qu'il est fait, et c'est qu'il est capable de faire, et c'est qu'il peut faire. Amen. Et bon Dieu, il toujours faire des choses. Même nous pouvons dire, mais bon Dieu, pas encore faire. Mais bon Dieu, il peut faire, peuple de Dieu. Amen. Dieu, il peut faire. La Bible dit à nous,
dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, épître de Jacques, le chapitre 1er, le verset 17, il dit tout don excellent. Tout don excellent, tout même grâce excellent, tout même cadeau excellent et tout cadeau parfait, ils viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Peuple de Dieu, quand nous trouvons une grâce, une bénédiction, il y a tout don excellent, tout cadeau parfait, ils viennent d'en haut du Père des Lumières. Combien nous besoin montrer nos gratitudes envers le Seigneur? Combien nous besoin montrer nos reconnaissances, peuple de Dieu, envers le Seigneur? Nous pourrons donner quelques principes pour lesquels reconnaissant. Et je connais comment nous disons, Dieu lui prend plaisir quand nous remercie. Amen. Quand bon Dieu, pour que nous, comme avant nos enfants bien élevés, nous pouvons dire ça qui qu'elle a, les reconnaissances qu'il m'a fait faire. Même, mon pauvre que je suis, mais il reconnaît que bon Dieu, il fait des grandes choses. Amen. Il reconnaît que nous enfants, nous capables encore arriver de donner les choses qu'il fait demander. Mais il connaît que nous, maman, papa, nous donnons tous les temps les choses. Et il est capable de dire nous merci. Et nous, comme enfants de Dieu, nous besoin toujours et là cette gratitude. Amen. Pas prendre la bénédiction de Dieu à la légère, peuple de Dieu. Comme un enfant de Dieu, nous besoin montrer nos reconnaissances dans ma petite chose, mais aussi dans ma grande chose. Papa nous dit une petite ça, mais nous pas capable. Ah, après, quoi, bon Dieu, bénis-moi. Moi, tu demandes grand Dieu. Moi, tu demandes beaucoup. Peuple de Dieu, Dieu lui pour positionner. Premièrement, nous sommes capables de dire Dieu lui content, peuple de Dieu. Dieu lui prend plaisir. Encore, nous exprime nos gratitudes. Dieu n'est pas d'accord. Dieu l'a tristé. Le Saint-Esprit l'a tristé, peuple de Dieu. Oh, quand nous affligés, quand nous murmurer, le Saint-Esprit l'a affligé. Bon Dieu l'a affligé. Bon Dieu est chagrin quand il était. Il dit, combien mon bénis-toi. Et d'un moment, pareil, combien tu as besoin, il a cette gratitude, cette reconnaissance. Rends grâce en toutes choses, dans toutes circonstances. Et le deuxième point, bon Dieu, quand nous rendons grâce, nous positionnons pour nous recevoir plus de Dieu. Amen. Plus beaucoup de choses, même nous l'intiguite, nous capables de l'intiguite, mais quand nous rendons grâce, bon Dieu, ça amène nous pour nous capables d'être plus avec bon Dieu. Et tout ce qu'on vit d'être plus avec bon Dieu, amen, ça amène nous. Et rappelez-vous ce récit de la multiplication des pains. La Bible dit à nous dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 19. La Bible dit à nous, quand Jésus dit avec son disciple, la poule t'y a, mais nous besoin nourriseuse, mais dans le disciple dit à Jésus, la lame, nous peina, nous tenons 5 du pain et des poissons, comment nous capables nourrir cette poule, 5000 hommes, sans compte dans ma lame. Mais Jésus, la Bible dit à nous, il n'est pas murmuré, la Bible dit à nous, il fait asseoir la poule, après il prend à sa 5 du pain et des poissons, il lève ce lisier vers le ciel, et la Bible dit à nous, Jésus, puis rend grâce. Amen. Jésus qui rend grâce dans Matthieu chapitre 14 verset 19. Jésus levant les yeux vers le ciel, il rend grâce. Peuple de Dieu, combien de fois nous ne rendons grâce, nous ne prenons nous-mêmes un problème, nous-mêmes une situation, nous ne levons nos yeux vers le ciel, nous disons Seigneur, nous rends-toi grâce. Même dans sa COVID-19 là, mon père gagne la paix, comme on disait. Même la paix, il y a un petit guide, il y a un petit peu d'argent, mais nous rends-toi grâce. Parce qu'il est bon Dieu. Et quand nous trouvons Jésus, il nous rend grâce, il est arrivé. Et il résultat et un miracle, il y a un miracle. Sa tipelle là, il multipliait et la foule, il mangeait et il reste 12 paniers remplis de rassasiés. Et quand nous pourrons grâce, bon Dieu, dans le peu qui lui est là, bon Dieu, pour multiplier. Pas murmurer dans le peu qui lui est là. Papa nous dit, tu guides, nous pas capable de rassurer. Et tu guides, nous murmurer, nous plaigner, nous lamenter. Peuple de Dieu, viens comme Jésus. L'y rend grâce à Dieu. Amen. Et la Bible dit à nous, ça divère là, puis multiplier. Quand nous rend grâce, ça amène nous vers percer. Elle ouverture, un miracle de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, nous capables aussi choisir pour nous capables louer le Seigneur. Nous regardons l'exemple de Paul et de Silas. Ils ont-ils loué mon Dieu dans la prison? En des apôtres, le chapitre 16, verset 25. Je ne veux pas me plaigner, je ne veux pas me lamenter, je ne veux pas me pleurer. Même ma coup, ma blessure, tu l'oses. Mais je loué mon Dieu comme un chant de louange. Et pourtant, je t'y fais souffrir. Peuple de Dieu, combien de nous, dans ma souffrance, nous plaignons, nous disons bon Dieu, adieu, 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 nous pas capables. Papa nous dit à bon Dieu, te rappelle ce genou. Mais rappelle-toi, peuple de Dieu, quand nous restons l'attitude de reconnaissance, nous sommes à l'équerre reconnaissant, et qui bon Dieu, l'imperme nous louer, lui
reconnaissant. Oh Christ, cette habitude, Père de Dieu, et qui nous capable habituellement pour nous capable louer mon Dieu, au lieu qui nous capable qui nous murmurer, Père de Dieu. Il arrive le temps, Père de Dieu, louer mon Dieu pour ce moment, un 4 mois qui nous pas capable de réunion. Mais bon Dieu, ce matin, il me permet, amen. Nous pas connaître comment nous passons, nous pas connaître comment je ne passe cela, mais mon croix, mon trousseau, tout en bonne santé. Dieu qui nous en contrôle la vie, amen. Dieu qui nous pourvoit, et mon croix ne pas manque non ni. Et combien ce matin nous besoin de reconnaissant. Le monde qui peut souffrir, Père de Dieu, nous qui bon Dieu protéger, nous qui bon Dieu garder, combien nous besoin de développer en nous, et cette mentalité de reconnaissance, Père de Dieu, malgré ma difficulté, parfois de vous dire non, il n'y a pas problème, oui, il n'y a pas problème, mais c'est en nous, comme enfants de Dieu, qui nous capables de dire Seigneur, nous rendons grâce. La parole de Dieu dit en toutes choses, continuellement, tous les jours, nous avons besoin d'un grain, même ma difficulté, même ma problème, Père de Dieu est important, qui se maintient nous capables d'être des cœurs reconnaissants. Qui se maintient, bon Dieu, il est capable et nous passe l'esprit. Pour nous capables de dire, bon Dieu, moi, avec plein nez, moi, avec mieux muré dans ma petite soeur, mais nous louer, bon Dieu.